farceur la connerie de ce type pendant toute cette foutue traversée. Si jamais je rencontre ce pourri à terre, je le démolis, moi, ce con. Faire comme ça, hein. 6 mois, pas trop dur. Ah oui, tu parles, 6 mois dans cette ville. C'est le seul moyen, tu n'as plus le choix. Tu veux lui casser la gueule, et alors, ça te donnera quoi? Laisse tomber. Écoute, Rondini, j'aurais dû balancer ce salaud par-dessus bord. Oh, arrête. Est-ce que tu peux me rendre un service? Oui, qu'est-ce que tu veux? Quand tu arriveras à Dublin, tu achèteras un bouquet de fleurs que tu apporteras à Sarah en lui disant que je suis désolé. Okay. Et que je pense beaucoup à elle. Ouais. Hey. Et tâche de faire attention, hein. Ouais, allez, à bientôt, Rondini. Salut, Tommy. Ah, il t'en fait une sale crasse, Tommy. Ça, oui, Ernie. Comment je vais m'en sortir? Mais au syndicat, il y a personne que tu connaisses? Ah, si, je connais un gars qui s'appelle Karinski. Moi, ils m'ont suspendu. Oh, c'est con, ça. Enfin, tu vas quand même pas coucher dans le port, non? Tiens, j'ai un beau-frère qui loue des meublés pas très loin d'ici. Tu te feras pas arnaquer. Voilà, ça n'a rien à voir avec Byzance, mais enfin, attendez, avec le prix. Oh, mais qu'est-ce que je vais foutre en appartement, Ernie? J'ai jamais réussi à m'y faire. Et ce loyer, je le paierai comment? Eh, on va boire un coup, hein? À New York. À New York. Il faut que je trouve un bateau, Karinski. Tu crois que je peux faire des miracles? C'est toujours comme ça, on se fout dans la mélasse et on attend de l'aide. Trouve-moi un bateau. Karinski, je sais que tu peux. Buenos dias. Bonjour. Buenos dias. Bonjour. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Comment allez-vous? Muy bien, muy gracias. Muy bien, gracias. Très bien, bien merci. La cantidad... La quantité. Poco, peu. Demasiado, trop de. Bastante, assez. Oh, salut. Nada. Ça va? Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Très bien, merci. Comment allez-vous? Oh, ça va, plaisantin. Eh, hey, pourquoi un blanc comme toi apprend l'espagnol? Tu t'occupes de l'aide sociale? Non, je suis l'ambassadeur du Porto Rico. Salut, Pic-Blanc. Hé! Hé, l'ambassadeur, on dirait que tu t'es fait arroser. Oh, monsieur, je suis désolée. J'étais en train d'arroser mes plantes et j'ignorais que vous étiez en dessous. Demasiado, trop de. Quel est le nombre de su hermano? Comment s'appelle votre frère? Su nombre es José. Bonjour. Son nom est José. Je suis vraiment navré de vous avoir arrosé tout à l'heure. Vous avez reçu beaucoup d'eau? Non, non, c'est rien. Quel âge a-t-il?
Tiene 19. Vous êtes nouveau, n'est-ce pas? Ah oui, c'est bien vous que j'ai vu arriver hier. Oh, j'espère que cet endroit vous plaira. Bien sûr, c'est pas Park Avenue, mais c'est pas mal. Oh, vous apprenez l'espagnol? J'ai toujours voulu apprendre une langue étrangère, mais j'en ai jamais eu l'occasion. Oh, comme c'est joli. Ça alors, j'ignorais que vous étiez artiste. C'est beau tout ça. Ah oui, on m'appelle Michel-Ange. Oh, oh oui, excusez-moi, j'ai oublié la politesse. Où ai-je la tête? J'aurais dû me présenter à vous. Marsha Bernstein, j'habite juste au-dessus. Vous vous en êtes rendu compte? Ravi de vous connaître, Michel-Ange. Regardez le poisson que j'ai pêché. Ah, c'est pas de la sardine, hein? Ravi, tu vas aller me prendre en photo. Moi, je prends la pause. Je suis prêt. Comme ça, hein? Dites, les mecs, je vous gêne pas. D'abord, une photo de moi avec mon poisson. Et ensuite, une photo gratos. Attention. Ça y est, j'y suis, Herbie, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ça marche pas? Mais qu'est-ce que tu fais? Ça marche pas, tout ça, c'est de la camelote. Ah, mon Dieu. Donne-moi ça, qu'est-ce qu'il y a encore? Décidément, c'est moi qui dois tout faire ici. Avance la pélo la prochaine fois. Arrête de décoller, on fait cette photo. Où est mon poisson? Hé! Hey, on m'a piqué mon poisson! Poisson, mais je crois qu'il est muet. Hé, hey, il discute avec son poisson. Non, mais tu plaisantes. Hé, hey, rends-moi ça. Et qui c'est ce gars? Oh, sûrement un gars qui vient de s'installer dans le coin. Qu'est-ce que j'en sais? Plaisante, hein? Ah, c'est toi et ton poisson. Qu'est-ce hein? que tu veux dire? Avec cette histoire de poisson, tu savais au moins bien aller dans les ordures. Plaisante, hein? Ah, là, maintenant, je sens le poisson. À la mañana. À demain. Habla usted español? Un poco. Parlez-vous espagnol? Un peu. Un poco. Un peu. Te presento a mi amiga. Puis-je vous présenter mon ami? Me presento. Mucho gusto de conocerla. Ravi de faire votre connaissance. Vous ne pourriez pas baisser un petit peu la musique? Quoi? La musique est trop forte et chez moi, il n'y a pas moyen de travailler. T'as qu'à travailler le jour! Hé, Carmine! Ouais. Là, ce mec, il voudrait que tu lui baisses un peu la musique. Ouais, attends, mon pote, pas de problème. Quelle heure est-il?
appart más barato? Avez-vous une chambre moins chère? Hey, Carmine, on dirait que ce gars-là est drôlement gonflé. La chambre seule? Con cuarto de baño? Avec salle de bain? Non, j'ai pas encore le téléphone, mais on peut me joindre à ce numéro. C'est Whitehall 49945. Voilà, c'est ça. Oui, merci, Kansky. Et ensuite, jeune homme? De l'aspirine. J'ai pas encore le téléphone et alors je me demandais si vous pourriez... Vous voulez que je prenne vos coups de téléphone? Oui, si ça vous ennuie pas, en attendant que j'ai mon téléphone, quoi. Par ici, tout le monde attend le téléphone. C'est d'accord. Si on téléphone, je vous appelle aussitôt. Ah, vous ferez comment? Comme d'habitude. Je sors par la porte de derrière et je gueule votre nom. Si vous êtes chez vous, vous venez ici. Et si vous êtes ailleurs, je raccroche le téléphone. D'accord, c'est bien. Vous êtes Ab? Oui, mon gars. Vous, là? Tom. Tom Gamble. J'habite à côté, 336. Au 300... 336. Ah, c'est chouette. J'aurais pas trop à gueuler. il me faudrait de la mayonnaise. Eh, ça, je vais. Sur mon compte, d'accord. Sur la gueule si tu me laisses pas tranquille. J'aime pas qu'on m'emmerde. Qui c'est ce mec? Thank you.
Comment est-ce? Sainte-Thérèse. Bravo. Alors, ça va, amigo? Oui, Engel. Ça y est, j'ai un boulot, ça marche. Je fais la plonge à boucler. C'est pas trop mal, mais... Et toi, Inge, est-ce que ça va? T'es pas au courant? Je prépare un diplôme de courtier en bourse. De... On serait capable, Inge. Vous voulez du café? Non. Bon. Si vous avez faim, vous verrez, il y a tout ce qu'il faut dans le frigo. Vous m'avez fait peur hier au soir. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? J'avais de l'aspirine. L'aspirine est à côté de vous. Ce que j'espère, c'est que vous ne ferez pas de conneries. Hein? Oui, comme de vous venger pour ce qui s'est passé. Non, soyez pas inquiète. Mais si, je suis inquiète. Vous vous rappelez? Je vous ai monté toute seule du bas de l'escalier jusqu'ici. Je vais m'occuper seulement de mes affaires et sortir de ce merdier au plus tôt. Kid, regarde ce que j'ai trouvé. Hey, c'est pas mal, Waco. On peut en tirer 4 ou 5 dollars au drugstore. Ouais? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? L'ambassadeur, alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça, c'est rien. Je suis tombé d'une échelle. Ah ouais? C'est vrai que les Souls étaient là pour te ramasser. Ouais, très drôle. Fais attention, ambassadeur. Les Souls sont des mecs méchants. Alors, vous allez à la chasse au trésor dans les égouts? Ouais, regardez. Hey, est-ce que vous auriez vu les alligators? Les alligators? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas d'alligators par ici. Et n'importe quel imbécile le sait. Si on avait, on le saurait. Ouais, bien sûr, on le saurait. Comment, vous n'avez pas entendu parler des alligators qui habitent au fond des égouts? Baratineur. Ces alligators, ils auraient fait comment pour entrer? Bah, tu sais, il y a plusieurs années, tous les gamins en possédaient. Ces alligators étaient expédiés de Floride par avion, ils étaient tout petits. Alors les mères qui voulaient s'en débarrasser les jetaient dans les WC. J'ai même entendu dire que quelques-uns ont survécu, que maintenant ils font 6 mètres. Et on a même envoyé des gars dans les égouts pour les chercher. Ils en ont trouvé? J'en sais rien. Les gars ne sont pas remontés. Hey, l'ambassadeur, tu essaies toujours d'apprendre l'espagnol? Ouais. Pourquoi, tu veux me l'apprendre? Ouais. Tu dois l'entendre nature, comme le parlent les Espagnols. Tu réussiras jamais à apprendre avec un disque. Et bah alors quoi, il faut que j'apprenne en allant au cinéma? Ouais, c'est ça, t'écoutes et je te traduis, c'est un truc idéal. Comment tu crois que les Portoricains apprennent à parler anglais? Ils vont voir des films américains, c'est tout.
Quiero tres tickets. ¿Dónde está tu papá? Ahí. Bueno, 5 dollars. Qu'est-ce que tu racontais? Rien. Je crois que ce film te plaira. Ça parle de quoi? Oh, c'est une espèce de comédie. Está esperando puesto por mucho tiempo. Qu'est-ce que c'est que ça? Chut, on t'écoute. Moi, Tom Gamble. Ah, vous ne me faites pas entrer? J'ai pas le temps. Ah, vous n'aurez pas le temps tout à l'heure. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ce que vous allez me demander. Je pensais qu'on pourrait sortir ensemble. C'est un rendez-vous, on dirait. Oui, un rendez-vous. Ok? D'accord, j'en serais ravie. Bon, alors on se retrouve vers... Vers 8 heures. À tout à l'heure. Attention, il approche. Allez, viens, viens, mon canard, viens. Il approche. Voilà. Où allons-nous? Tenez. Voilà, visez la quille centrale un peu à droite. Après la mort de ma mère, j'ai été placée dans des familles par assistance. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais maltraitée? Non, ça allait. Mais j'étais pas à l'aise. De toute façon, je me suis barrée si souvent qu'on a arrêté de me placer. Comment tu t'en sors? Avec Waco, on se débrouille. On fait attention. Foutez-moi la paix. Laissez-moi. Attends, Kid, attends, bouge pas d'ici. Allez, alors, ça vient? Approche. Hé, regardez.
Alors. Hey. Ah. Alors, qu'est-ce que t'attends? Allez, viens. Allez, on passe la fête. Ils arrivent. Qu'est-ce que c'est? Ils arrivent. Ça va aller? Ça va, merci, t'as vu. Et toi, Kid? Oui, je sais bien. Oui, mais je veux quitter ce coin. Il n'y a pas quelque chose? Oui. D'accord. D'accord, Kerensky. Hey, Tommy! Hey, Tom! Et c'est bien ça, t'es Tommy? Oui. Je suis Carmine. De poisson. Ah, oui. Tom, voilà, je te paye un coup au club et puis on fera un peu connaissance, hein. Ah oui, c'est une idée. Oui. Oui, d'accord. Tu viens alors? Bah, bon, oui, allons-y, tu seras l'invité. Hé, hey, Carmine, qu'est-ce que c'est les sportsmen? Les sportsmen? C'est une espèce de religion. Mmh. Ouais. C'est la veste que je portais. Ah, j'étais un vrai dur à cette époque, et on me croyait. Eh ouais, on était tous des durs. Aussi durs que toi. Alors, je suis complètement... Je me suis endormi sur le lit. Et quand elle est rentrée, elle a pris du fil et une aiguille et elle m'a cousu dans les draps. Comme dans un sac. Ah ouais, j'étais coincé. Alors, elle a été chercher le balai. Oh, tu as un bon. J'ai pris la plus belle dérouillée de ma vie. Ah, qu'est-ce que j'ai dérouillé? C'est gracieux, on reste donc célibataire. Je viens, une minute. Et faut que j'y aille. J'arrive, Gracie. J'ai 49. N 12. Oui, je l'ai. J'ai le 12. Elle est là. Attendez. Demandez à ce qu'on vérifie sa carte. Ouais, sa carte. Ah, oui. C'est inutile, les gars. Croyez-moi, je l'ai, c'est parfait. Allez. Bon, on continue.
On continue. Un peu de silence. Voilà. Trois prenants. Photo de mes gosses et j'aimerais pouvoir la garder. J'en prendrai soin, j'adore les gosses. Allez, au suivant. Allez, ton portefeuille. Allez, mec. Mais laissez la fille tranquille, voyons. Hein? Mais... Oh! Arrêtez! Oh! Arrêtez! Assieds-toi, lâchez-moi. Mais ouais, je suis assis, ça y est, j'y vais, assis, voilà. Je suis assis, mais je suis assis maintenant. Angel Cruz. Au nom du Père, partez. Tu profanes l'église. Allez, va. Angel, tu profanes l'église, la maison de Dieu. Ton âme est condamnée. Elle restera en enfer pour l'éternité. Qu'est-ce que tu connais de l'enfer? Tu l'as visité? Que Dieu te pardonne, Angel Cruz. Dieu. Maintenant... Dieu est à mes côtés. Qu'est-ce qui s'est passé au jour? Bah, j'en sais rien, j'ai rien entendu. Et puis j'ai rien vu, alors je sais rien. Et vous autres? Pourquoi vous faites rien quand on s'écrapule? De Franco, je veux savoir si tu portes plainte ou non. Si je porte plainte, vous voulez savoir si je porte plainte? Ben moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand la police se décidera enfin à nous protéger. Il faut leur tirer dessus, c'est tout. Tous les tuer, ces enfants de pute. Hey, faut vous calmer. Hein. Non, mais dis donc, qu'est-ce que tu attends de nous, DeFranco? Tu n'as qu'à porter plainte. Et on pourra tous les coffrer. Laissez-moi rigoler. Ils sont lâchés tout de suite et je dois y vivre dans ce quartier. Je vais m'acheter un flingue. Un quoi? J'ai dit que j'allais m'acheter un flingue. Mais arrête, tu débloques. Je ne veux plus entendre ce genre de... Ce sera directement le bloc si jamais je te pique avec un fusil. Tu entends? Hein? Tu entends? Oh, c'est un excité. C'est ça, on m'arrêtera. On se fait dévaliser, casser la gueule. Et on doit être content. Allez jouer aux cartes, y'a que pour ça qu'on vous paye.
Mais dis donc, tu commences à m'énerver. Je vais te casser la gueule, hein. Carmine, arrête, reste calme. Allons, faut pas t'énerver, reste tranquille. Bon, arrêtez. Viens aller porter plainte. Bob, tu auras des ennuis. Tu vas tout de même pas faire ça, enfin. Allez, tes gueules. Allez, plein le dos. Pour une fois, un juif se laissera pas faire. Allons-y. Emmenez-moi au commissariat, je signerai tout, moi, tout. D'accord, venez avec nous. Allez-y. Faites attention à la tête. Je coince alors cette vermine dans l'entrée, dans le coin. Oh, t'aurais vu ce beau morceau, le plus gros rat que j'ai jamais vu. Je tiens le balai à la main, et là, tu vois, et balabing. Alors, il reste sans bouger. Moi, je le regarde d'en haut, et lui, il fixe d'en bas. Et puis, tout à coup, il se met à me sauter dessus, et il mord juste là. Là, tu vois, ici. Là. Mm-hmm. Et bien, ouais. Il va me faire une piqûre contre la rage. Et aussi au rat. Et aussi au rat. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Les salauds, les filles. Hé, Carmine, tu parles tout seul dans ta barbe? Je me souviens de l'époque où Sportsman voulait dire quelque chose. On était les plus forts de tout le quartier Est. Et personne n'aurait osé s'attaquer à nous. À présent, c'est terminé. Hein? On a laissé les saouls s'installer ici. Et maintenant, si on veut se balader, on risque de se faire buter. Mais ça a trop duré. Je vous dis qu'à partir de maintenant, les choses vont changer. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, eh bien, qu'on doit s'organiser de nouveau. Hé, hey, Tommy! Non, je dois m'en aller. Tommy, il reste encore une minute. Toi aussi, tu es concerné. Pas du tout. Ça me concerne absolument pas. Je suis pas chez moi. Je cherche un bateau. Et c'est pour ça que je suis ici. Dès que j'en aurai trouvé un, je fais mes bagages et je me barre. Je suis désolé. Alors, Marcha. Oh, quelle petite mine. Vous êtes sortie? Oh. Non, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai mal à la tête, c'est affreux. Mal à la tête? Allez, on va voir au fond. À côté des toilettes, il y a de l'aspirine. Prenez-en deux. C'est au fond, là. Mm. Ah, donnez, je vais le faire. Merci. Bon. Café. Plainte, t'as eu tort. J'ai pas peur de vous. Sortez de ma boutique. T'as eu tort. Hé, hey, foutez-moi le camp. Hé hey! Non. Thank you.
t'inquiète pas, Marsha. Ab s'en sortira. Allez, viens, on va faire un tour. Ça te fera du bien. Tom, j'ai une place pour toi. C'est sur un transport de containers. Il s'appelle l'American Trader. Pour 9 heures, vendredi. Vendredi en 8. D'accord, vendredi, 9 heures. Mais souviens-toi, tu te pointes à l'heure et en bon état. Si cette fois tu déconnes, tu peux faire une croix sur ça, pour toujours. Tu entends? Ah oui, j'ai entendu. Vendredi en 8, en état, tu te pointes à l'heure et tu déconnes plus. Tommy, tu n'y mets jamais rien d'autre dans ton frigo? Je me demande ce que tu manges. Qu'est-ce que tu dis? Tommy, où étais-tu? J'ai été voir Kalinski. Et alors? Alors, rien de nouveau. C'est étonnant, pourquoi tu ne trouves rien? Je te l'ai dit, je suis suspendu. Ils m'ont enlevé mon livret syndical. Cet abandon. Parce que j'ai envie de te garder. C'est quoi cette connerie là, hein? Un jardin? Et ça ressemble à quoi, hein? Pourquoi tu t'emmerdes? Ah, t'es d'accord? Laissez-moi. Bah, tu vois, on est d'accord. Voilà, tiens, regarde, on va te dire. Tito, qu'est-ce que tu fais? C'est de la merde, ton jardin. Foutez-moi ça en l'air. Arrêtez! Ça, regarde. Arrêtez! Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Arrêtez! Foutez-moi ça en l'air. J'ai l'impression, du genre. Oh non, c'est pas un chou. Ah, tu vois? C'est pas un chou, c'est une plante des pieds. Lâche-moi! Foutez le camp! Alors, on n'est pas content. Dites-moi, le chat, on se remifle! Allez, mords-toi! Et alors, sale môme! Tommy, Tommy, Tom, venez! Tommy! Sois court. Kit, ça va? Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon petit gars? Je sais. J'ai essayé de les arrêter. Oui, je sais. Je sais. Je sais, Kit. Je le prends. Plus près. Non, laissez-le moi. Viens, petit con. Approche, petit con. Tu veux te battre? Tu veux te battre? Hein, petit con? Tu veux te battre? Ah!
Tu as abandonné les autres. Tu t'es enfui en abandonnant deux de tes frères. Brandana voulait le garder pour lui seul. Il nous a dit de nous barrer. Il le voulait pour lui seul. Les Souls ne sont pas des lâches. Va s'occuper de ce petit dur. Il va nous le payer. Fais vite ta prière. T'es condamné. Tu peux mourir ce soir. Ou alors demain. Mais en tout cas, t'es foutu. T'as une seconde? Bien sûr. Entre, Tommy. J'ai acheté des perruches. Regarde, elles sont jolies. Je suis sûre que tu vas penser que c'est stupide. Je les ai appelées comme nous. La plus petite s'appelle Tommy. Et la deuxième, c'est Tracy. Tracy? Je sais que ça n'est pas mon prénom, Tracy, mais si j'avais eu le choix, je me serais appelée ainsi. Et non, Marcha. Petit, tu veux manger quelque chose? J'étais sur le point de préparer le déjeuner. Oui, non, merci. Mais tu ne manges jamais. Tu sais que... Ça y est, j'ai trouvé un bateau. Ah? Soigne bien ton bras, Tim. Marcha est là si tu as besoin d'elle. Avec Waco, on a besoin de rien. Au revoir, Tommy. Vous allez me manquer. Vous me manquerez aussi, Waco. T'aurais dû lui dire quelque chose à notre ami. T'aurais pu lui dire un mot gentil. J'en ai rien à foutre de ce mec. J'ai rien à lui dire, je m'en fiche. Quel baratineur ce mec alors. On a été bien bêtes de l'avoir écouté quand on a fait ce jardin à la con. J'ai jamais rien fait d'aussi idiot.
Tu sais, je crois qu'il voulait rester. C'est à cause des soupes qu'il est obligé de partir. Faut-il un prétexte pour passer voir un ami? Toutes mes félicitations. Alors toi, tu les as eues. Hein? Tu sais que personne n'a jamais osé faire ça aux Souls. Non, personne n'a osé les battre. T'as une bière dans ton frigo? Oui, bien sûr. Tu leur as donné une leçon, Tommy. Tout le monde dans le quartier en parle. Tu es devenu un héros. Carmine, est-ce que tu as fini de dire des conneries? Quelles conneries? Ces trois types, tu les as massacrés. Tu es un héros? Non, je leur ai foutu une volée parce qu'ils ont attaqué un gosse. C'est tout ce que ces salauds méritent. Tu sais que les Souls n'en resteront pas là, Tommy. Oui, je sais, ils sont déjà venus me voir. Donc, c'est le moment de s'organiser. T'as intérêt à faire gaffe. Angel Cruz est un gars qui est loin d'être bête. Et puis tu as montré dans tout le quartier que les Souls sont pas invincibles. Donc on peut les battre. Alors Carmine, je fous le camp. Voilà, demain je vais quitter le quartier, j'embarque à 9h. Alors tu pars? Ouais, c'est pas la peine de se faire des illusions. Ça va barder si je reste dans le quartier. Et qui j'aurai pour m'aider? Toi, Carmine? Herbie, Abby, hein? Les sportsmen, les plus forts du quartier Est. Et alors, où est-ce qu'ils sont? Au club, en train de boire un coup? Eh oui, Carmine. Je suis tout seul. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes ce soir au Madison Square Garden, en direct pour le combat contre Roman Skolarich et Lucien Draghi. La salle est archi-con. Tous les supporters sont venus pour assister au match entre ces deux géants de la boxe. Jusqu'à présent, Romulus n'a jamais été... C'était un grand boxeur, hein. Se bat ce soir pour son titre. Un vrai Superman. Il y a un mouvement dans la foule, car Romulus et Lucerne approchent du ring. Je profite de cet instant... Je parie que t'as peur de personne. Merci, mon petit. Tous ces gens qui t'attendent. Attention, le combat va commencer. Ça devait être chouette. Pour le moment, les adversaires s'observent. Pour nos auditeurs, je signale que Romulus porte une culotte blanche et Lucerne une culotte rouge. Marco, j'aurais voulu assister à un combat. Esquivé par Lucerne. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Kid. Corps à corps et l'arbitre vient les séparer. Je vous rappelle que nous sommes en direct du Madison Square Garden où nous assistons au combat de Romulus Kovarich contre Lucerne McKinley. Ce premier round est une prise de contact entre les deux hommes. Lucerne vient de porter un crochet contré par Romulus. Lucerne perd l'équilibre et se retient au corps. Il reste encore 2 minutes avant la fin de cette première reprise. L'arbitre vient de séparer à nouveau les deux. Oh, qu'il est beau, oh là là. Tu es une bande de sales merdes. Allez, voilà. Voilà. La gauche, là, oui, oui. Oulala.
voilà, ça y est. Et qu'est-ce que t'espérais? Faut pas croire au miracle, Carmine. Ça va chauffer, j'ai l'impression. Disparaissez tous, on se retrouve dans une demi-heure près de la bouche de ventilation. Je vais les mobiliser, je la réunirai cette armée, Tommy. Dana, à tout de suite réunir les gars. Nous paierons ça, cher.
Salut. Et salut. Salut à tous. Merci, mon vieux. Et alors, tu veux jouer? Tommy est revenu se battre. Hey, je suis son ami. Jerry, il faut faire quelque chose. S'il faut aider Tommy, c'est l'occasion ou jamais de leur montrer qu'on a des couilles. Et je vois que je peux compter sur toi, hein. On va l'aider. On va l'aider, hein. Vous savez tous que les Souls le cherchent, qu'il est traqué. Mais nous, on sera à ses côtés. D'accord. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Bon, eh bien, je vais vous dire. Il faudra que les Souls passent par moi, Abby, Herbie et Paolo qui viendra aussi. Paolo? Marcha, c'est moi, Tom, ouvre! Je ne voulais pas que tu t'en ailles. Mais je veux encore moins que tu sois assassiné. Viens, Tommy. En voilà 39. Je te les donne. Prends-les. C'est sans condition. Oh, quitte ce coin, va très loin. C'est un sale trou. T'avais raison, quitte ce bled. Va en Floride ou en Californie. Et si tu veux, tu n'auras qu'à me faire signer, je prendrai l'avion. Et seulement si tu le veux. Je voudrais que tu me rendes un service. Ce gentil sort mon linge. Parce qu'il se froisse pas mal dans le paquetage. Je pensais bien que tu reviendrais. Hé, hey, Tom. Et Abby. Abby. Alors où elle est ton armée? Elle est là. Oh merde, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, on n'a pas le choix. Hein. On peut les attaquer par surprise et se replier tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes? Nous quatre, on va les attaquer, mais c'est dingue. Et puis qu'on aille les attaquer à nous quatre, c'est comme si on demandait à Custer de refaire le coup avec les Indiens, alors moi je déserte. Abby. Les Souls sont au courant maintenant. On les a prévenus que ce soir on avait cessé d'être des moutons. On est chez nous dans ces rues. On y a été élevé dans ce quartier. Ça ne peut plus durer. Maintenant que je suis revenu, je veux bien être pendu si on m'oblige à partir. Bon. Il réussit à chaque fois à m'entraîner dans ses histoires à la con. Allons-y. Thank you.
Attention, planquez-vous. Allons vers l'église. Et venez. On va passer par les égouts. Dépêchez-vous. Et merde, c'est coincé. Par ici, venez. Merde, tiens, barbelé. On est fait comme des rats. Venez, bande de merdeux. Il y a trop longtemps qu'on veut vos gueules. Thank you.
Si jamais tu revenais ici, c'est moi qui te bousillerais personnellement, tu entends? Je porte plainte, moi aussi. Oui, moi aussi. Mais moi aussi. The August night is falling.